Donc le premier conseil que je donne à 100% de mes clients, donc, c'est de privilégier la détection périmétrique. Car il faut savoir qu'un individu qui tente de s'introduire dans votre domicile ou dans votre local professionnel, s'il est détecté avant l'effraction, ben dans 98% des cas, il va prendre la fuite, tout simplement. Donc le deuxième conseil, ce serait déjà de ne jamais communiquer sur un éventuel voyage ou une absence sur les réseaux sociaux. Donc le troisième conseil que je peux vous donner, c'est toujours activer son système de sécurité, même si on quitte son domicile ou son bureau uniquement 15 minutes pour aller à la poste, il faut toujours l'activer. Il ne faut pas hésiter à faire gérer son système de sécurité par une entreprise privée comme la nôtre, car vous prenez l'avion, vous êtes sous la douche, vous faites une activité sportive et vous ne pouvez pas gérer votre système de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme Protectas a la possibilité de le faire. Et le dernier conseil que je peux vous donner, donc c'est d'être proactif dans la mise en place d'un système de sécurité pour votre local professionnel ou votre domicile, car la plupart du temps, les gens attendent d'avoir eu un sinistre avant de s'équiper. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'une porte peut être réparée, mais le traumatisme subi lors d'une effraction ou une intrusion dans son domicile ou dans son local professionnel, ça reste à vie.